Ouais, Daniel, je démarre juste, justement. À chier trois coups. Je viens juste de monter là dans le bush. Ah, ok, d'accord. Ah, ben moi, tu vois, c'est pareil. Je vais me contourner là. Les deux HLM, là, sont pour sortir de la. Ok, d'accord. Tu savais que j'étais là ce matin? Comment? Ah, j'ai dit, tu savais que j'étais là ce matin? Ah, d'accord, ok. Ah, parce que Dakota, il est là, mais il est là-haut? Ah, je suis trois coups. Par contre, ce soir, je fais 23h, 8h ailleurs. Donc, bah, demain matin, ce ne sera pas la peine de t'égosiller sur le 19. ce soir, je vais sur Saint-Loubès. Ah bah tu m'étonnes, c'est même la vacation qui est coupée en deux. Voilà, il y a une première partie qui commence à, je crois que ça doit être 18h, un truc comme ça, jusqu'à 23. Et après, pour ma part, je prends ensuite de 23 à 8h. Ok, d'accord, ouais, c'est vrai que lui il s'en va tout là-haut à chaque fois. Mais c'est que le vendredi soir, ça, on arrive à l'avoir dans le QSO du canal 27. Hein. Ça dépend de ses horaires de travail à nous aussi. Hein. Et donc, c'est vrai que là où il est, son boulot, tout ça, là, c'est assez particulier, puisque j'ai mon boss qui était autrefois là-bas. Voilà, et ben, c'est le président du rugby. Donc, ouais, ça fait du compte. Donc, c'est assez particulier les horaires qu'ils ont. Et voilà, donc c'est vrai. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'il écoute. Alors, prenez le micro le vendredi soir, et bien, écoute. C'est une roulette russe. Ouais, ben tu m'étonnes, c'est comme moi pour être présent. Là, ça fait un petit moment là, que. Dernièrement, là, j'ai pas pu le faire. Par contre, là, je vais pouvoir y être là, le week-end prochain. Normalement, là, vendredi, s'il n'y a pas d'imprévu, vendredi soir, samedi soir, je devrais pouvoir y être. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est tout. Putain, là, je suis au feu, là, en haut de la côte de la GT, là, je t'entends plus, là, pour le moment. Hein. Le temps que les feux vont être bien changés, là, que je puisse repartir d'ici. Là, j'entends bien que tu parles derrière, mais là, je suis vraiment dans les QRM, là, des feux tricolores, là, c'est... À chaque fois, c'est l'angoisse, ces feux. Je te préviens, là, dès que je suis sorti d'ici. Hein. Ouais, c'est pour ça que
Bon, attends, j'en ai un. Voilà. J'ai une espèce de tortue qui s'était foutue à la gauche pour le doubler. Bon, enfin, bref. Voilà, je suis au rond-point de Ricard. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir mieux t'entendre. L'une des deux fêtes, je sais pas, faut que je regarde mon planning. Noël, je sais que ben, je suis à Abzac, ça me fait chier à chaque fois, c'est que pour 4 heures, c'est tout. Hein. Oui, non, mais j'entends bien, mais moi je roule pas sur l'or. Alors tout ce que je peux grappiller, je grappille. Si je pouvais, si c'était légal, si c'était possible, je ferais bien 200 heures par mois, que ça m'arrangerait bien. Je sais pas où t'es rendu là Daniel, mais là je t'ai complètement perdu. Là. Pour ma part, j'arrive quasiment là, aux stations Total. Bon ben là ça passe plus Daniel. Alors, attends, je vais te rappeler, là, depuis, j'arrive, là, sur la sortie 26, dès que je suis en haut, là, je te rappelle, parce que là, ça passe plus. Ouais, je t'ai entendu derrière dans le lointain. Ok, voilà, je suis rendu en haut de la sortie 26. Là, ça doit pouvoir passer un peu mieux. Ouais, bon d'accord, les QRM aussi, ça passe un peu mieux. Je t'ai perdu. Là, ça passe plus. Ok, bon, c'est pas grave. Les 73, Daniel. Bonne journée. À la prochaine. Il a dû avoir peur. Il a un problème là, t'as la terre là pour aller couper. Ah oui, la route s'est passée là. Non, il brûle juste de bon. Bah oui, il a peur de la rembarque. Je vois pas un peu là. Putain. Quand la propague est pas là, il y a du monde à la même. Oui, on a mis 4 points. Oui, mais c'est à une double. Ben oui. La preuve. Le double. Non, non. Comme le code, tout à l'heure, il va doubler pareil. Oh, on va les croiser eux. Et... Bon, il y a au cri de la moto là. Ah non, c'est bon, il est parti. Bon, il a plus de place. Ouais, vu le signal, on va les croiser. Et devant, il marche un peu. C'est pas
pas polichon, alors je sais pas s'il n'y a pas un capuchon de noir là, tu sais. Ah oui. C'est des ampoules qui volent. Enfin, il colloque quand même, parce qu'il n'y a pas loin devant lui, entre lui et le camion. Ouais, on les a croisés. Le signal diminue. Alors déjà là, on peut se dire que leur installation est assez moyenne. Pour arriver à les perdre, enfin, est-ce que c'est diminué aussi rapidement comme ça, ouais. C'est pas toujours évident sur un mille pattes de faire une bonne installation. C'est petit. Eux, ils sont rendus trop loin. Là, avant de relancer la vidéo, là, j'ai entendu du monde, mais bon, trop tard. Du côté des stations NAEM là, qui sont sur la route, bah, ils restent toute la journée sur le même canal. Là, ça peut durer comme ça pendant 5 minutes, une demi-heure, une heure, sans qu'ils reprennent le micro. Mais ils sont là. J'étais où? J'étais là? Ah, mais oui, c'est des habitués là qui sont là. Des jeunes en plus. Je suis passé pourtant plusieurs fois dessus, il n'y avait personne. Et pourtant, si, ils sont là. À pouvoir passer 10 fois sur le même canal, être persuadé qu'il y a pourtant qu'il n'y a personne, et pourtant là, on vient d'avoir la preuve que si. Donc même qu'on est prêt à jurer qu'il n'y a plus personne sur les 40 canaux, et bien pourtant si.
73-51, les stations fréquences de la part de Dindy 33 depuis le pont de la rocade de Libourne. Bon, ben, je vais à QRM juste au moment d'entendre s'il y avait des réponses ou pas. Au moins, lui, il m'a répondu. Un convoi exceptionnel devant. J'essaie de voir si on peut. Ah, ça papote pas beaucoup à cette heure-ci. Tant pis.